Bonjour, bonjour et bienvenue sur cet épisode 13 donc de Dead Space 2 Speed Memory. Voilà, j'espère que ça va aller. On va bien avancer. En toute logique, ça devrait être pas mal. Ah, ça y est, je me souviens de ça. Ça c'est pas cool. Ça explose avec la chaleur. Parfait. Ouais, ça explose avec la chaleur. Du coup, il faut faire ça. Voilà. Toc, donc il faut lui balancer des bouteilles. C'est con parce que j'ai fait péter les deux autres juste avant. Allez, encore une. Allez, allez. Boum! Motherfucker, boum! Ça marche, on est reparti. On se rejoint plus loin. C'est bon, je te vois. On se retrouve devant. Alors, je sais qu'il y a une façon particulière de s'en sortir ici, et même facilement. Soyez prêts, plus qu'un. Quoi? Ça va pas, non? Là, au milieu? Si tu fais sauter ça, tu vas faire cramer tout le reste ici. C'est bien vu. Ray Astros, on y va. Ouch, salope. Putain! Et j'ai plus rien pour me soigner. Oh putain! Allez, allez, allez. Cours, cours, cours. Ah merde. Ah c'est relou hein, ça, c'est... Et machin, t'atterris sur la gueule automatiquement. Allez, allez, charge. Une caisse? Trichlorure d'azote. Ça explose avec la chaleur. Parfait. Il en faut 4. Donc logiquement, on peut s'en sortir. Ça marche. On est reparti. On se rejoint plus loin. C'est bon, je te vois. On en a un là, un là. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est courir le plus vite possible. Ok, soyez prêts. Là au milieu, si tu fais sauter ça, tu vas faire cramer tout le reste ici. C'est bien vu. Allez, on y va. Tiens. Saleté de... Putain, il bouge de trop. Ouch. Salope. Fous-moi la paix. Oh putain. Et j'ai rien pour me soigner. Et cours, bordel de merde.
Il court de rien du tout, ouais. Y a rien pour se soigner en plus, hein. Et là, il va essayer de me sauter dessus, je pense. Ah yes. Ah, j'ai de quoi me soigner. C'est cool, ça. Voilà. J'ai réussi. J'ai réussi, putain, ça pète de partout. Michael Bay. Désolé Isaac, mais je peux rien faire. On pourra dire qu'on a chaud au cul, hein. Dans une autre situation, j'admirerais votre obstination, monsieur Clark. Mais tout ça est plus important que vous. Vous avez n'importe quelle personne sur cette station. Chef, tout est prêt pour l'évacuation définitive. Alors c'est bien. Désormais, tout n'est que poids mort. Isaac, c'est quoi ce charabia? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par poids mort? Il se sert du rayon solaire. Il faut arrêter ce truc, vite! Oh, merde. Il va découper la station, le mec. Il est sérieux dans son corps. Il a coupé la station en deux. On peut plus avancer. En arrière. On retourne à cette station. Mais pourquoi? On y va, Ellie, c'est tout. Les Shimura, si les systèmes de gravité fonctionnent toujours... T'as l'intention de traquer ça jusqu'ici? Ouais, on va passer un bon moment, c'est moi qui vous le dis. Si tu as aligné les voies pendant quelques secondes, tu devrais pouvoir traverser. Tiens-toi prête et prends soin de Strauss. Isaac, non. C'est complètement insensé. Oui, c'est un peu suicidaire. Je suis plein d'idées insensées. Ah, c'est pas ça qui va nous arrêter. Allez. Là, logiquement, on devrait pouvoir s'en sortir. On a quelques munitions de cutter. Ça va pas être trop compliqué, je pense. Par contre, c'est vrai qu'on a beaucoup de fric, en fait. Et c'est pas forcément ce que je recherche. Je chercherais plus des munitions ou des trucs comme ça. Ou de la vie. Ellie, j'y suis. Il doit encore y avoir un ordi à l'embarquement. Je pourrais consulter les statuts. Comment ça va? Tu as l'air un peu nerveux. Genre. Comment ça va? T'as l'air un peu nerveux. Oui, bah en fait, depuis tout à l'heure, on se bat contre des mobs qui essaient de nous décapiter avec des faucilles géantes greffées sur leurs bras. Et puis, je viens de faire péter un truc pour nous débloquer avec deux gros monstres qui étaient censés me massacrer. Hein, donc ça a pété, on a eu chaud, on a eu très chaud, voilà. On s'en est sorti de justesse et il y a un mec qui découpe la station en deux. Mais sinon, tout va bien. Voilà, donc sauvegarde du couard. À part ça, non, impeccable. Et toi, la famille, tout ça. Alors, rapport des dommages. Centrifugeuse hors ligne. Fallait que ça arrive. Quoi? La centrifugeuse est en réparation. Je vais devoir descendre à l'ingénierie. Ça risque d'être intéressant. Est-ce que ça ira? Ça m'étonnerait fort. Je te tiens au jus. Ouais, moi j'aime bien, c'est le mot intéressant. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Perdu une munition pour rien. Voilà. Rangez votre bordel, les mecs.
encore un message qu'on ne lira jamais finalement. Parce que si vous voulez savoir ce qui se passe, eh ben écoutez, moi je vous conseille simplement d'aller voir un let's play et pas un genre de speedrun. Ouais, parce qu'on peut dire que c'est pas vraiment un speedrun. Sinon ça ferait longtemps que j'aurais terminé. Je crois que d'ailleurs le record du monde est à 1,50 et des bananes. Donc ça c'est les chiottes. Très bien. Voilà, je crois qu'on n'a pas besoin d'y aller. Ah. Non. Ok, très bien, c'était pas par là qu'il fallait aller. Il faut aller par ici. Ah, c'est ouvert cette fois. Je me souvenais plus que c'est s'ouvrait automatiquement, ça. Il me semblait qu'il fallait faire quelque chose, mais c'est... Bon. Tant pis. Bon, très bien, voilà. Allez, Ishimura, c'est toujours un passage sympa. C'est le passage où on vérifie un petit peu que t'as les skills. Hein. Pour le moment, ça va, hein, c'est tranquille, pépère, tout ça, tout ça. D'ailleurs, j'ai plus de munitions de trancheur, ça, ça fait chier. Tac. Oui, des javelots. Les bonnes munitions au bon moment, comme je le disais. Donc, une bonne chose, ça serait de mettre des points dans le lance javelot. Ah, tant pis, je vais être obligé de passer comme ça. Dans tous les cas, le lance javelot, là, il va m'être utile. Mais c'est un peu con que j'ai pas pensé à l'améliorer plus tôt, en fait. Très bien. Voilà, là ça va commencer à devenir intéressant. Ah, la sauvegarde du couard. Les amis. On a passé très très vite quand même sur l'épisode 9. Hein. On est carrément arrivé à l'épisode 10 très rapidement. Je dirais pas que ces derniers levels sont bâclés. Je dirais qu'ils ont, ils ont été très courts, alors que c'est vrai que les autres levels... sont beaucoup plus longs. D'accord, c'est pour aller par là, donc moi je vais aller par là, il y a sûrement des trucs à ramasser. D'ailleurs, il y a obligatoirement des trucs à ramasser. Merde, juste un message. Non, des munitions de trancheurs. Très bien, du coup, on va garder quand même le cutter plasma. On court, là pour le moment ça va. C'est y a pas encore d'ennemis. Pour le moment on est dans l'appréhension. Ah, allez. Là, ça va devenir drôle, là. Salope. Voilà.
munitions de lance-flammes. Saleté. Putain, il m'a bien fait morfler. Hein. Ah putain. C'est mort. Ah, ces saloperies débarquent de nulle part. Et j'ai pas assez amélioré le lance-javelot. Il aurait dû être plus puissant. On va se contenter du cutter plasma du coup. Parfait. Bien. Ça s'est bien mieux passé. Hop, un petit coup de soin. Ça fait du bien. Par où ça passe. De la stase, on en a ici, donc c'est bon. Hop, on récupère un petit peu de fric. Ici on a un point de force. Malheureusement ma stratégie n'a pas fonctionné. Parce que normalement c'est vrai qu'il nous faut un javelot bien plus puissant à cet endroit là. Alors piratage, piratage. Hop. C'est encore bleu. C'est bleu. Voilà. Très fort en piratage. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de munitions de cutter plasma. C'est pas sûr. Je me dirige vers la centrifugeuse. Surtout fais attention. Je te dis quand ça marche. Ouais. Je me souviens plus très très bien comment ça se passe à partir de maintenant, mais je sais que ça va pas me plaire. Ah oui, il faut décontaminer nous-mêmes. Très bien. Très bien, très bien. Je vais pas aimer. C'est ce que je disais. Tac, tac, tac. Là. Munitions. Très bien. Ah. Alors. Oui, on va vendre cette merde. On va vendre ça aussi. La tenue rétro. Emplacement d'inventaire. Là, là, là. En mémoire. Très bien. Est-ce qu'on utilise la tenue rétro? J'ai envie de dire oui. Allez, zou. Tenue rétro, ça va vous faire plaisir en plus. Yeah.
J'aime bien les cabines d'essayage du futur. Ah, voilà. Bah, on ressemble déjà à quelque chose là. Bon, par contre, du coup, on n'a pas acheté quoi que ce soit. Hein. Et on n'a rien à vendre. Hein. Mais c'est pas mal. Y a une sauvegarde du coin dans le coin. Possiblement. Oui, il y a une sauvegarde du coin. Hop. Du coup, on va enregistrer. Voilà, on a fait la sauvegarde du couloir. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va se laisser, les amis. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous donne rendez-vous donc pour l'épisode 14 de Dead Space 2 Speed Memory. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers un commentaire. Allez voir sur le Twitter, sur la chaîne Twitch, à vous abonner. Et encore, plein de gros bisous. Et surtout, hashtag amour viril.